Attention, le programme qui va suivre est extrêmement vulgaire. Si vous avez moins de 18 ans et que vous comprenez bien l'anglais, cette vidéo vous est fortement déconseillée. Mais en même temps, restez parce que c'est marrant. Bravo, bien joué, maman, tu m'as bien baisé sur ce coup-là. Qu'est-ce qui se passe, Eric? T'as dit que je devais attendre mon anniversaire pour avoir un iPad. Donc celui que j'ai montré aux copains aujourd'hui, c'est pas un vrai, et tu peux être sûr que demain tout le monde va me traiter de menteur. Ça t'ennuierait de me prêter un peu de ton rouge à lèvres, maman? Parce que tu vois, je voudrais au moins être jolie la prochaine fois que tu décideras de me baiser. Ouais. Salut à toutes, salut à tous, ici S de Pique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on continue sur South Park, Stick of the Truth. Le bâton de la vérité. On vient de se défaire de McKay, vous voyez. Alors on a été sauvé Craig de la suspension, de la punition, de la colle. Et il faut maintenant que j'aille voir Cartman. Alors on va vite aller voir Cartman. On a de toute façon un Timmy juste à côté. Est-ce qu'on a quelque chose ici de... On va aller à la mare de Stark. Je crois que c'est ça. Ouais, marque de Stark. Let's go, bitch, you and me. Let's go, bitch. Meurs. Alors on va se faire juste... un elf ou deux, et... J'ai toujours pas assez de mana, hein. Voyons voir, on va mettre un coup de... Non, un coup de bat. Aptitude, un coup de bat. À lui. Moi... Ké. Ha. 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 Il est mort. Easy. Et Kenny, elle va... Hop là, invoquer les rats. C'est parti. A savoir que les rats, en fait, dans les premières saisons, à chaque fois... Okay, bon, je pense que vous le saviez tous. Dans tous les épisodes, dans les premières saisons, Kenny mourait. Et à chaque fois qu'il mourait, en fait, il y avait les rats qui venaient bouffer son cadavre. Donc c'est la petite... petit clin d'œil aux rats. Des premières saisons. C'est pour ça qu'il maîtrise les rats. Ok, donc on récupère tout ça. Voilà, on ferme. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on va looter sur lui aussi. Tout prendre, il y a un sac. Et il y a un Timpo là-bas qui traîne. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, elle est où là? Il est où le sac? Le sac a disparu? Ah non, il est là. Est-ce qu'on arrive à... Non. Et je pense pas qu'on arrive à la tirer avec notre paix, pas du tout. Ah, j'ai posé un détecteur de Moursport, très bien. Hop, 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 utiliser pour disperser les colonies de rats. Fragment d'étoffe. Alors, attention, dangerous animals may be present on trail, injury or death, and possible beyond this point. On va pas y aller. On va pas y aller maintenant, là, on va juste aller voir Cartman. On va jeter un oeil juste de ce côté s'il y a quelque chose. Eh. Voilà. Un bout de papier. Je vais où, là, moi? Ah, oh, ok, il y a un sac. Ah, il y a un gamin caché, en plus. On prend tout. This place is dark and scary. What if you never found me? Voilà, on est à 3 sur 6 des maternelles cachées. Qu'est-ce qu'on a en bas? Est-ce qu'on a quelque chose? Ah bah on a trouvé Jesus! Jesus. Jésus doit être par ici, attendez. Yeah. Oh! Bonjour Jésus. You found me! Tihihi! Next time finding me won't be so easy! Vous avez trouvé Jésus! On peut aller retrouver le père Maxi. Qu'est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a quelque chose à faire ici? On va éclairer la croix de Jésus. Non, ça ne fait rien. Est-ce que je peux enlever la prise peut-être? Aucune idée. Ici. Ah, je peux éteindre la lumière. Et du coup, si j'éclaire la croix, est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, pas du tout. Bon. Alors, le bureau du père Maxi.
Barbe Hollywood, espèce, Saint-Pierre et patch de fantôme. On prend tout. Il se passe rien. S'il y a un ressort. Il y a juste la commode ici. Potion de santé. Laisse pour Juvenceau. Tout à fait, tout à fait. Et on est... Bon, on est bon, hein, écoutez. On va sortir de là. On a trouvé Jésus une première fois. Ah, et est-ce qu'au confessionnal, il y a quelque chose? Non. A savoir que le confessionnal, dans South Park, c'est un lieu de débauche. Total. Total. Bon, du coup, allez, hop, on va prendre Timmy. On va aller chez Cartman. Chez Cartman, c'est ici. Allez. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Badass. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Ok, on va continuer de s'entraîner. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Comment ça échoue? No, no, that's not it. Try again. Let me show you one more time. Watch closely. On maintient. Yeah. Ouais, bah, you c'est see ce how que it j'ai works? Fait. Now you try. Way back from where you're standing. Cut ah, the magic, c'est throw it at your opponent. Mais je comprends pas. No, 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 you gotta fill your hand all the way. Tu vas remplir toute ta main. N'oublie pas, espoir dans une main. And you have a potent weapon in one of your hands. Let me show you one more time. Watch closely. Maintenir. Yeah. You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Ah, j'ai compris. Il y a une petite flèche. Yes, yes. Okay. But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, hey, Malgazin. Malgazin, could you come help us with something? Shh, don't have to touch. It's gonna be sweet. Yes. Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard. Now, Douchebag, come a spell. Okay, c'est bien ça. C'est avec l'histoire de la flèche. Guy, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, douchebag, and never on a man's boss. Jamais sur les couilles. Attention, c'est important. If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the elven forest. Let us find the bard and bring him to justice. Make haste to the giggling donkey. Ah d'ailleurs, concernant ça, je me suis planté, c'est pas le poulet à six nichons, c'est le poulet à six culs, en fait, dans la série, c'est ça. Quelqu'un a dit dans les commentaires, je crois, et je me suis fouvoyé, ça fait longtemps que j'ai vu les vieilles saisons. Attendez, par contre, je voulais juste voir... Merde. Du coup, je suis sorti, on va vite y retourner si je peux. Ok, bon, c'est pas grave. There it is. The inn of the giggling donkey. Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven Butters! sorry, that's what the Carrier Raven says! Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag? Ça, c'est Stan. Je suis sûr que c'est Stan. Allez, faites que ce soit Stan.
Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems or songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Alors, trouvons le barde. Trouvons le barde. Mais j'ai une nouvelle arme, moi. Rendez-vous, trouvez le barde dans le sous-sol de l'auberge. You think the barge really down here? I think I hear him. Est-ce que je peux... You grab mud on that one? Hello? Oh, c'est Jimmy. Elves, fall in! Douchebag! It's a trap! You should have never come here, you humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. Magical songs of enchantment. Donc vous, si vous l'aviez pas compris, Jimmy bégaye. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de mana. Du coup, on va mettre le feu au premier. Ah! Et je peux presque utiliser l'éclair. Non, ça va en toucher qu'un. Du coup, je vais utiliser le marteau sur lui. By the hammer of butters. I just was seeing if it works. Ok, bah il est mort des blessures de feu. Très bien, et moi je suis en train de saigner. A nice lance that she set upon. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Est-ce qu'on a une de mana du fait qu'il y a un tour qui soit passé? Non, invocation, aptitude. Non, c'est pas ça, c'était magie. Sort de flatulence. Cri du dragon. Non, je sais pas comment je gagne du mana. Peut-être que j'utilise une potion. On va faire ça, je vais utiliser une potion. Potion de fortitude, guérison, potion de mana. Utiliser l'objet. Sur lui. C'est bien ça, boost de mana, très bien. Et maintenant, du coup, je peux utiliser mon cri du dragon. Atteignez le bouton droit de la souris enfoncée jusqu'à ce que vous voyez des gaz. Et faites clic gauche. Pardon. 6 pp, est-ce que je peux utiliser... Quelque chose... Non, c'est 7. C'est pas grave. Du coup, un petit coup de marteau dans sa gueule. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. J'avais pas vu les paroles sur le premier couplet. Du coup, on va essayer celui-ci pour le coup. Maintenez le bouton droit de la souris enfoncée jusqu'à ce que vous voyez les gaz, puis faites un clic gauche. Ah, loupé. Hop. Oh yeah. On va faire le petit toucher guérisseur sur moi-même, sur Sir Connard, et on va
va mettre un coup de marteau pour finir celui-là. Il est mort. Il est mort. Wow, what a butt kicking. Whoopee! Get down there and finish them off. I will protect the stick of truth. Ok. Fuyez le sous-sol de l'auberge. Alors, on ramasse ce qu'on peut trouver. Là aussi. Y'a rien ici. Non, ah, par contre, y'a un petit loot ici. Meurs! Il y avait un truc à ouvrir là, non? Où j'arrivais? Attends que vous connaissez plusieurs P, tapotez E jusqu'à ce que le sort, la flétulence, soit sélectionné. Ok. Je pense que c'est pas le bon bouton. Boum! Sir Douchebag, up here. Boum! Très bien. Il y a de l'électricité là. Est-ce qu'on arrive peut-être à... Je suis mort. Game over. Oh, on est au paradis, le paradis qui est... où il n'y a que des mormons au paradis. Je me suis un peu loupé là, sur le coup, tant pis. Tiens, pourquoi il y a des loot là par terre? C'est ce que j'ai loupé avant, je pense. Je sais pas. Alors, du coup, on presse E. Sort de flatulence, crée du dragon. On presse sort de flatulence. Bouillard! Bouillard! Quoi? C'est pas ce... Merde, tant pis. Alors, Arc Mongo sur lui. Quoi? Bah, il est mort. Lame. Et toi, tu vas pouvoir utiliser le marteau des orages. Tu vas toucher tous les deux. Ah, j'ai poussé trop vite. Ah, ça passe. Presque mort. Alors, riposte. Attendez. Armure x2. Aïe. Donc riposte, il faut que j'utilise l'arc à distance sur lui. Bah, il est sur le point de crever. Et lui, il a de l'armure, donc lui, ce sera clic droit avec le marteau. Ok. Voilà. Et clic droit avec le marteau sur lui. Parce qu'il a de l'armure. Ah! Voilà. Ah, je suis ralenti. Très bien. On va l'enflammer. Ah, renvoie des dégâts. Ah ouais. Oula, oula, oula. Et j'obtiens le boost. Ah, bah, je suis mort. Toucher de guérison. Est-ce que je peux? Non, c'est parce qu'il est mort. Donc, objet. J'ai normalement une potion de résurrection. Voilà. Un burritos. D'accos. Oh. Voilà. Et maintenant, j'ai plus de PP. Donc, un coup de marteau dans ta gueule. Voilà. Tain, il est solide celui-ci. Hein. Putain, il prend cher. Touche les guérisseurs. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il ne peut pas attaquer? Ah non, il a ralenti, donc c'est Butters qui attaque en premier. Très bien. Hop. Un point de dégâts. Très bien. Et je suis ralenti. Alors, du coup... on va faire un bon vieux lattage de couilles. Wait, whose turn is it? Et il est tourné. Ah, et j'ai loupé le S encore. Faut absolument que j'y pense. You should be next. Voilà, très bien. Et c'est encore moi. Est-ce que je peux refaire le lattage de couilles là? Non, parce qu'il est étourdi. Donc, hop. Voilà, c'est la fin. Magnifique. On en a un peu plus chier là. Arc court elfique. J'ai une nouvelle arme. Ouais, s'en équiper. Tout prendre. Tout prendre. Il doit y en avoir un troisième normalement. Il est derrière.
On a un petit coffre ici. Tournevis, clé USB, rien d'intéressant. Pète. Hop. Tout prendre. Et alors, voyons voir au niveau de nouvel arc. Nouvel arc. Déjà, on a une nouvelle. Une hallebarde du combattant qui s'est équipée toute seule. C'est très bien, niveau 3. Ouais, tout ça, ça baisse. Ok. Confère attaque renforcée à la suite d'une attaque parfaite. Ces dégâts d'armes augmentent de fait deux fois la valeur d'armure. Ok. Et au niveau de l'arc. Alors, ça baisse, mais dégâts supplémentaires efficaces contre les armures. Tire 3 projectiles critiques en cas de frappe parfaite. C'est mieux le feu, je pense. Je préfère le feu. Parce que celui-là, il n'y a rien de spécial. Au niveau des bandanas, ici, on n'a rien de nouveau. Ah si, on a le bandana qui s'est équipé automatiquement. C'est notre nouveau rang qui nous a fait ça, je pense. Ok, nouveau gant qui est équipé. Les nouvelles popos. Ici, on a plein de nouveaux albums, nouveaux objets. Dont on va enlever le point d'exclamation. Des nouvelles... ok. Une aile de soleil ordinaire. Et la barbe d'Hollywood. Ok, mais on y va comme ça. Je pense que on a rien d'autre. On reste comme ça. Alors, il faut que je coupe l'électricité. Et pour ça, je suppose qu'il faut... Ah ! I'll handle this. J'avais pas vu qu'il, qu'il m'appelait. Ow. Bah, bravo, Kyle. Kyle. Craig. Ow, my ankle. I think it might be broken. Tiens, du coup, tu vas faire ça, Butters. Your word is the command, my lord. Yes, sir. Just a bit. Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Il y a par contre cri du dragon. Level 12 thief can't take care of. You guys go ahead. Ok. Ça c'est coupé. Ça c'était bon, c'était looté. Bah on monte. Très bien. For the alt tank. Someone help. That came from the kitchen. Sauvez Cartman. Alors on va commencer par prendre une potion de de mana grande petite. Non, grande. Stop dicking around. Utiliser. Boost de mana. Et du coup on va faire l'EP à distance. Ça n'en touche qu'un, donc on va faire ça sur lui. Dégâts bonus. Ah très bien, ça marche vraiment pas bien contre les protections. C'est pas grave, du coup on va utiliser ça sur les deux ici. Boum. Attaque améliorée. J'ai loupé la parade. Là j'ai réussi. Et j'ai loupé. Blam. Au niveau de dégâts de zone, on a ça qui peut être utilisé sur lui. Ouah. Tiens, crève, crève, crève. Oui, il a pris cher. Et lui est mort en plus. Et du coup, tiens, fais un petit toucher sur lui. Et j'ai plus assez de PP pour le reste, donc on va faire un clic droit sur lui. Pas mal. Ah merde, il est... Merde, il est mort. Alors, renvoie de dégâts. Alors, combien ils ont de PV? Renvoie de dégâts. Il faut que j'aille à l'arc, je crois, si je me souviens bien. Lui est sur le point de mourir. Lui, pas trop. Donc, on va faire sur lui, déjà. Ah si, merde. Ah, oh, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Fuck my life. Je crois que le combat est perdu. Ah, c'est perdu. Oh bah voilà. Mom, you pussy. Deuxième fois que je meurs hein, dans cet épisode. Donc maintenant on sait que mon mana... Potion de mana grande, voilà. Sur lui. On va utiliser ça sur... Sur celui avec la bêche. Du coup... Hop. La flatulence. On va utiliser celui-ci plutôt.
Très bien. L'écurie est étourdie. Et du coup, le marteau des orages sur lui. Alors du coup, lui est mort, lui presque. Mettre un coup de batte au prochain tour. Non merci. Putain, je prends cher hein. Donc renvoi de dégâts, il faut que j'y aille. On va y aller à la batte. Voilà. Par contre on y a vraiment pas mis cher. Mais c'est pas grave. Alors, un petit toucher sur lui parce qu'il est en train de saigner. Et un coup de marteau dans sa gueule. Voilà. Il est ralenti. Est-ce qu'il est toujours en posture de renvoi? Je ne sais pas. Oui. Donc. Aptitude améliorée. Toujours en train de saigner, donc on continue de soigner. Et on va y mettre un coup de marteau. Voilà! Comme ça qu'on fait. Se prend très cher, mais c'est pas grave. Normalement, on finit maintenant. C'est bien ça, on a terminé, on a réussi. Ta gueule. Je sais que tu veux aider Cartman. Hop, commande de pote et. Yes, sir! Yes, sir! Here's a buddy. His powers were too strong. The bard, he's up in one of the rooms. They took Princess Kini. They took her upstairs. I'm sure they're gonna rape her. Don't let them rape Princess Kini. Ils vont aller violer Kini. Allez, on va vite fouiller tout ça. Voilà. Est-ce qu'on peut ramasser le jus là? Non, pas ça. Ok, ça ne sert à rien. The Wizard King is done for. Take out the new kid while I go upstairs and make contact with the King of Hell. You're not getting past us, fucker. A word waker. Yeah. We're in a really mean online review after we're done killing everybody. Hello? Use your magic on the front door, douchebag. C'est l'autre. C'est l'autre. Ah, j'ai loupé. Use your magic on the front door, douchebag. Pourquoi ça marche pas? Ce qu'il y a dans... Ah, c'est Twig, ok. Pourquoi ça marche pas? J'ai compris, c'est bon, ta gueule. Attends, du coup, c'est l'autre qu'il faut que j'utilise. Non. Ta gueule. Est-ce qu'il faut pas que j'utilise mon arc? Ah, très bien. Très bien. C'est les parents qui vont être contents. For the KKK. C'est Token qui dit ça en plus. Il y a un truc qui brille là. Ah ok, on avait deux techniques. Les potes, ils viennent pas m'aider, non? Bon. Oula, 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 oula. Alors, potion, bombe à eau, jeter aux ennemis pour faire disparaître leur bonus. Potion de fortitude, potion de guérison. Utilisez l'objet. Voilà. Et maintenant, on va déjà enflammer lui. Ouah. Et toi, tu vas utiliser ton marteau de l'orage sur lui.
Putain, ils sont solides, hein. Ah, les deux là sont solides, en tout cas. Oh, nice. Ok, bon, lui est mort, du coup. Lui se concentre. On va lui latter les couilles. Avec un peu de chance, ça va y stopper sa concentration. Allez, il est étourdi, j'ai loupé S encore. À chaque fois, j'oublie. Hop. Yata! En plus, il est en flamme. Clic gauche de Butter, c'est vraiment de la merde. Hein. Est-ce que je peux lui relater? Non, je peux pas. Non, je vais lui mettre flamme 2. Ouais, quoi que non. Juste un coup comme ça. Attaque améliorée. Toujours en train de brûler. Bon, je suis en flamme, mais c'est pas grave, on va le finir. Rapidos. Voilà! Oh boy, we won! Where's the king? He's over there. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are plus 4. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Allez, on va looter tout ça. Lui. Armure d'elfe des bois. J'ai une armure d'elfe des bois. Attendez. Inventaire ici. Soigne de 20 PV à chaque tour avec l'utilisation d'un arc. C'est pas mal ça. Ici on a plus 10% de dégâts, l'aptitude à faire l'attaque parfaite. 5 d'armure et 10 d'attaque ennemie. On va prendre le heal équipé. Ok. Et allons sauver la princesse Kenny. J'ai fini de se faire violer. Oh! Allez, je vais ouvrir ça. 2 dollars. Comment je fais? Il est en prison là. Ok, attendez, là il y a un truc à péter. Ah, très bien. Ok, hop. Voilà, et maintenant comment je fais basculer l'armoire? Oh, trop bon. Excellent. Et je suis passé niveau 5 en plus. Retenez voir Cartman. Parfait. Voyons voir ce qu'on a débloqué comme aptitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Charge du taureau. Charge un ennemi tête la première divisée par 2. L'efficacité de son armure, pulvérise le bouclier et réduit sa vitesse. Bon, on va prendre ça. Ah non, mais je l'ai déjà en fait. Et du coup, on va prendre le coup de batte niveau 3. Je peux pas. Si, acheter. Parce que ça, je l'ai déjà. Coup de batte niveau 3. Voilà. Niveau 3, chaque coup restaure une petite quantité de PD. C'est toi le PD. Et du coup, au niveau de l'équipement, je dois pouvoir m'équiper de trucs niveau 4. Est-ce que j'ai quelque chose? Non. Là, niveau 5 même. Je suis niveau 5 maintenant. Ouais, niveau 5. Non, j'ai rien niveau 5 encore. Moustache de barman. Non. Ok. Du coup, on peut sortir de là. Tu viens avec moi? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got
got to be another way into this room. Hey, let us up. You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Là, je peux commander Kenny normalement. Donc, si je fais. Attends, c'est hop. Allez, on va aller se faire le boss vite fait là. Oula, il y a du monde. Salve gonna shut you up. Alors j'ai amélioré le coup de batte. Ah oui, on va tester ça. Charge un ennemi, tête la première. Ok, bon, on va tester ça. Maintenez le bouton gauche, la souris enfoncée jusqu'à voir le rouge. Je crois que je me suis loupé. Je voyais pas rouge. C'est pas grave. Et Kenny sur lui aussi. Ah oui, il a un healer. Faut que je vise le healer. Il a vomi. On va réessayer une fois. Ah non, j'ai pas assez de PP. Donc on va mettre un coup de batte. Oh, il a pas mal d'armure. Faut que je focus lui avec Kenny. Qu'est-ce qu'il y a comme aptitude? Tout. Non, on va mettre sur lui. Stop digging around. Ah, il est presque mort. Bah, il est mort. Il est mort. Et du coup, j'ai plus de PP, donc on va y mettre. Hop. Ah, mais il a toujours son armure là en fait. Faut vraiment que j'arrive à y péter son armure. Baiser royal dépose un baiser sur les ennemis pour prendre complètement au dépourvu. Écœur la cible. Bouton gauche la souris enfoncée jusqu'à ce que Kenny s'est intillé. Ok. Ah, Kenny vaut mieux aussi. J'ai pas réussi à parler. On va mettre un grand coup d'arc. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, on prend tout. On prend tout. Oh, on a trouvé un Timpo, j'avais pas vu. Un gong mongol. C'est pas ça que je veux. Ok. Et on descend. C'est l'heure du boss. Ah, même pas. You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your 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 Oui, je pense que c'est ça. Step forward now and fulfill your destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine, you want to throw down, brah? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Allez, le boss. Jimmy le Bard. Qui se bat avec des rats. Très bien. Set him up and knock him down. Donc on va déjà enflammer le boss. Putain, il a 1600 PV le mec. What? Et on va se débarrasser des petits rats avec l'aptitude de Kenny sur les rats. Donc ça. Lui. Ok, les rats, c'est bon. Sleep now, the whippoorwills are dancing.
Gently now put your mind to rest. Wow, what a terrific On va lui latter les couilles un coup. Ah. Et il est tourné. Et j'ai loupé S à chaque fois, mais à chaque fois. Ok, du coup il est étourdi, donc je peux y mettre un bon goût. Le coup de droit, voilà, pour 116 de dégâts ici. Imperfect. On va encore l'enflammer une fois, il a feu 1 là. Il met pas feu 2 en fait. On va y mettre un petit baiser, comme ça il vomit. Avec le petit pieu qui sort et j'ai refilé la syphilis, très bien. C'est bon, c'est réussi. Ouais. Allez. C'est pas très puissant ça. Hein. Il vient de se heal ou j'avais on va y mettre un coup de paix dans la gueule. C'est un bouton droit jusqu'à enfoncer jusqu'à ce que vous voyez du gaz puis appuyez. Ouais. Ah, il est immunisé. Ah, par contre il saigne toujours. Non il saigne plus. Le bruit marron. Alors le bruit marron ça vous fait chier quand vous l'entendez. On fait nous chier dessus. Et j'ai pas tout paré. J'ai pris un peu cher. Je me suis un tout petit peu chié dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, Arc Mango. Arc de Kenny. Et je me suis loupé, non c'est bon. À 76. Allez on va le finir. Presque 16, est-ce que il prend des dégâts de flamme? Non. Alors du coup, Kenny va le finir. Et voilà. Parfait. Et bien voilà, on a récupéré le stick de la vérité. Le bâton de la vérité, pardon. J'espère que cet épisode vous aura plu. On s'arrête là. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. C'était The Peak. Bonne journée à tous. À la prochaine. Ciao. Bye bye. Ainsi donc, alors que nous allons mettre ce petit garçon en terre, gardons tous présents à l'esprit que la syphilis est toujours une maladie mortelle. Et l'on peut l'attraper même si l'on porte une protection. Ce jeune garçon l'a appris à ses enfants. Ça, je l'avais dit. C'est dans la bouille des gonzesses qu'on trouve le plus de microbes sur Terre. Statistiquement, c'est l'endroit le plus dangereux où un mec puisse mettre sa teub.